Yo tout le monde, on se retrouve avec. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. On se retrouve pour la suite de Fly avec Juliette. J'y arriverai un jour. C'est ma troisième vidéo de la journée. Je pense que à la fin. Bah, à la fin demain, j'aurai juste plus de voix. Mais ça en vaudra la peine. Du coup, on perd pas plus de temps, on y va. Je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo de Clément. Enfin, je m'en souviens pas trop de ce que j'ai dit. C'était un moment. C'est-à-dire. 2 heures. mais en gros, j'ai déjà fait l'épisode. Du coup, mon premier. Ma première réaction à l'épisode était avec Evan. Du coup, je connais l'épisode. Je connais juste pas les moments du coup qui sont avec le crush en question. Du coup, le fait de Juliette. C'est normal que les épisodes envers le premier qu'on a fait durent moins longtemps. Parce que du coup, je ne découvre plus, je connais l'épisode. Donc, j'ai pas les mêmes réactions forcément. Enfin, j'en ai même pas. Enfin, si, je rigole quand même aux mêmes blagues parce que. Je suis pas drôle. Voilà. Donc, ça sera pardon pas plus de temps et allons-y. Si elle veut bien. Ne voulez pas. Ah là là. 29 septembre. Depuis le concours Teens Mags de vendredi dernier, je me sens un peu plus apaisée au lycée. Pour la première fois depuis mon arrivée. L'année scolaire dernière, je n'ai pas fait la boule. Je n'ai pas la boule au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le jour idéal pour proposer à Juliette de sortir en ville ou d'aller manger quelque part ensemble. On est mercredi. Même si il est un peu tard pour lui demander, Juliette a probablement au moins une petite heure de libre dans l'après-midi. Au pire, je lui demanderai si c'est possible de se voir samedi prochain, mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite. Avant que quelque chose ne vienne me troubler à nouveau. Je sens qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Attendez. Est-ce que... Si j'ai l'impression que la mère a changé. Est-ce qu'elle a adapté en fonction de moi? Parce qu'elle est pas du tout comme ça. Attendez, je sais même plus à... Parce que... quand j'ai fait l'épisode avec Jan et... Rose, elle avait les cheveux beaucoup plus clairs. C'est juste moi qui vois mal depuis tout à l'heure. Non, elle avait les cheveux beaucoup plus clairs. Et la peau moins foncée. Et les yeux, je sais plus par contre. What? Oh, si c'est adapté, c'est cool. Bon, du coup, c'est bien, hein, mais... Ok. Bonjour, mon lapin, bien dormi? Ah, oh, tu as une mine radieuse, Millie. Voilà, du coup vous découvrez le prénom, vous découvrez tout, c'est parfait, je sais même plus ses prénoms. Attendez, je vais vérifier. Je me souviens plus si j'ai mis les personnalisés, je sais que pour... Non, du coup j'ai pas mis personnalisés. Pour le dernier, j'ai mis les pronoms personnalisés, mais je sais même plus ce que j'ai mis, parce que je sais même plus ses pronoms. Je suis investie, hein. Tu ne me cacherais pas quelque chose, tu es un amoureux, une amoureuse, c'est ça. Voilà, ouais, c'est peut-être adapté. Voilà, bon, vous découvrez aussi le magnifique faciès. Ça change, hein. Maman, tu m'as l'air différente. Tu as fait quelque chose à tes cheveux? Bah du coup, là, oui. J'ai simplement mis mon nouveau rouge à lèvres. C'est mon petit stagiaire qui me l'a offert pour me remercier de l'avoir pris en stage. Je lui ai parlé hier au travail, justement. Je lui ai dit que j'étais certaine que tu te trouverais bientôt quelqu'un. Je suis désolée de te décevoir, mais tu te trompes. C'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment. En plus, aujourd'hui, c'est l'élection des délégués de classe. On a 2 heures d'HLP qui sautent. Et j'avais pas de devoir pour aujourd'hui. Ah, la jeunesse, ça me manque tout ça. Je t'aurai pour avoir des devoirs à faire. Tu peux le faire les miens quand tu veux. Allez, assez de plaisanter. Tu ne veux pas arriver en retard et réunir ta journée alors que tu es de si bonne humeur. Même ma relation avec ma mère va mieux dernièrement. Je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi-frère.
Je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Juliette aujourd'hui, histoire de rendre cette journée encore plus belle. Je m'en mets pas. Elle est vraiment incroyable. Et même si j'adore le jeu, le travail des scénaristes et des illustrateurs, j'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traitent leurs joueurs comme des vaches à lait. Je comprends en effet. Salut les gars, c'est la première fois que je te vois au lycée Marion, non? Comment ça va? Tu t'intègres bien dans ta classe? Tout va pour le mieux, oui. Grâce à toi, j'ai fait la connaissance de Molly, on s'entend super bien, surtout. Elle est fan des mêmes jeux vidéo que moi, en plus. Par contre, j'ai dû reparler à Emily. Parce que je vais y dire Millie. Haha, super. Un peu contre mon gré, mais elle ne m'a pas l'air si horrible que ça. Ça confirme que tout le monde me dit... Ça confirme ce que tout le monde me dit au sujet d'Emily. J'avais tort de me faire du souci, elle doit simplement me délaisser, moi. Enfin, sois quand même prudente. Qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille ou qu'elle ait tout orchestré, elle reste quand même une harceleuse. Ça te ressemble pas de parler quelqu'un comme ça, Evan. Tu es plus promis à accorder des secondes chances aux gens d'habitude. Malheureusement, Emily est plutôt à sa 12e chance. Clément avait raison de se méfier d'elle, et ce n'est que maintenant que je le vois. Même si elle avait cette fois-ci réellement appris de ses erreurs, je me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris si c'est pour être déçue par la suite. Vous en faites pas, je garde l'œil ouvert. Si jamais j'entends quoi que ce soit de louche, je vous le ferai savoir. Coucou Marion, coucou frère de Marion, coucou Millie. Vous parlez de quoi? Vous avez l'air si sérieux. À quel point Monsieur Kiaski veut grave pécho, Madame Vasseur? Grave, genre, il y a des hôtels pour ça, on n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs, Berk. Bon, on vous laisse. On doit rejoindre des potes avant le début des cours. À bientôt. Ou pas, si ça se trouve, l'une d'entre nous va mourir subitement et tragiquement, et c'est la dernière fois qu'on se voit. La vie est parfois cruelle sans vraiment aucune raison. Très bien, alors à bientôt, j'espère. C'est mieux. Salut! Marion et Molly ont rejoint leur groupe d'amis, qui comprend effectivement Emily. Peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis qui savent ce qu'elle a fait et lui parlent quand même, elle m'en veut un peu moins de. D'avoir, eh bien. D'exister en fait. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly ou c'est bien ou bien c'est juste son humour? Humour, je sais pas, mais elle est tout le temps comme ça, d'après Marion. Tu n'as pas à ajouter ça à ta liste de problèmes à gérer si ça peut te rassurer. Comme je sais à quel point tu peux être soucieuse de du bien-être des autres. C'est gentil de vouloir me rassurer, mais justement ces derniers jours, ça va mieux. T'es soit résolu, soit en cours de résolution par les personnes concernées. Ah, ça tombe bien, parce que j'avais un service à te demander, mais je voulais pas t'embêter plus que nécessaire. Un service? Quoi comme service? Rien de bien compliqué, t'en fais pas. Quoique, c'est quand même un engagement sur le long terme. Tous les ans, je me présente à l'élection des délégués avec Rachel cette année, elle s'y présente avec Nabil. J'aurais voulu savoir si tu acceptais de te présenter à l'élection des délégués à mes côtés en tant que déléguée suppléante. C'est juste pour la forme, comme il me semble que personne d'autre ne s'y présente. Et j'ai déjà demandé à Clément, et il m'a dit que c'était pas son truc. Avec plaisir, c'est marrant que les seules personnes à se présenter à l'élection des délégués soient les délégués du CVL. On est des délégués dans l'âme. Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Si je peux faire quoi que ce soit en retour pour te remercier. Mais non, c'est normal, t'en fais pas. Disons que, juste que si jamais j'ai besoin d'un passe-partout du lycée, tu accepterais de me prêter le tien? Puisque t'as fait du tien. Je l'ai vendu pour me payer un Uber Eats hier soir. C'est une blague, hein? Hein? C'est trop drôle. Evan est parti au CDI avant que les cours ne commencent comme à son habitude. J'ai entendu des cris derrière moi et je me suis retournée. Les filles, est-ce que tout va bien? Hihi, Juliette. Milly, tu ne vas pas en revenir! Je viens d'avoir les producteurs de The Star Machine au téléphone. Ils veulent me voir au plus vite pour une audition télévisée. Ah, je suis rassurée. Ce sont des cris de joie alors que j'ai entendu. Félicitations, Béa, tu me quittes. C'est dommage, tu as raté l'audition téléphonique a cappella de Béatrice à quelques secondes près. À les entendre, Béatrice a déjà une place en finale assurée et elle était époustouflée. Apparemment, c'est la première fois que Claudine Flamand leur recommande quelqu'un. Vous pouvez me remercier. Et remercier Truc Machin aussi, je suppose. Mais moins quand même. C'est mon article qui a probablement fait la différence. Ça me fait plaisir de les voir toutes les quatre bien s'entendre petit à petit. Les choses s'arrangent de
tous les côtés. Je sais pas lire. Je devrais profiter de la bonne humeur ambiante pour proposer à Juliette de déjeuner ensemble ce midi. Je risque de ne pas le revoir la journée. Il faut juste que j'arrive à emmener le sujet subtilement, et pas devant tout le monde. Au fait, du coup, je suis désolée, Juliette, mais on ne va pas pouvoir manger ensemble ce midi. Je dois avoir ma prof de chant en urgence. Je pensais pas être contactée par l'émission aussi vite. Pas de problème, Béatrice, je comprends tout à fait. Ça tombe à pic. Bah tiens, Juliette, je voulais justement te demander si tu voulais qu'on mange ensemble ce midi. Avec plaisir, j'avais préparé un petit panier repas, alors ça m'aurait rendu triste de manger toute seule. On se retrouve à 13h devant le lycée? Parfait. Encore désolée de t'abandonner. Mais non, t'en fais pas, je ne disais pas ça comme ça. Rendez-vous fixé, Rachel et Candy vont être fiers de moi. C'était bien plus facile que ce à quoi je m'attendais. Au moins, cette fois, là, il n'y a personne pour tenir la chandelle. Genre, j'ai hâte de voir comment Juliette est, parce que du coup, j'ai pas refait Fly 1 avec elle. Parce que ça servait à rien vu que les deux sont pas vraiment liés. Genre, on peut jouer à Fly 2 sans avoir joué au premier. Donc, voilà. C'était pas la première fois, mais c'est la première fois que mes intentions sont claires dans ma tête. J'aurais pensé trouver Rachel ici, mais elle n'est visiblement pas encore arrivée. Allez, s'il te plaît. Je vais vous le dire pour la dernière fois. Non, c'est non. Ok, pas grave. T'es pas drôle, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il ne manquait plus que toi. Te connaissant, tu vas être de leur côté, non? Ça dépend de quoi s'agit. Ça dépend de quoi il s'agit. Un gars de notre équipe de basket s'est cassé la cheville hier. Soir. C'était vraiment plus de préciser soir, parce que du coup, ça a niqué ma phrase. Et en arrêt pour 3 semaines. On a besoin de quelqu'un pour le remplacer, histoire d'avoir un nombre de joueurs assez élevé pour nos entraînements. En plus, comme on n'a pas de match officiel, les 3 prochaines semaines, il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un élève. Il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un mec, d'ailleurs. On essaye de convaincre Thomas encore un peu. Et après, on va demander à Madame Vasseur. Je suis sûre qu'elle est cool et qu'elle dira oui, elle. C'est pour ça que je méprise les adolescents, et en particulier les adolescents de genre masculin. On leur dit non, et ils comprennent. Essaie de me convaincre. Il a raison, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Allons demander à Madame Vasseur, et sinon on compte devant les toilettes. Ah, ça je l'ai fait dans toutes mes vidéos, je n'arrive pas à dire camp, je dis compte. On campe devant les toilettes des mecs, et on supplie tous les gens qui passent. Je veux juste qu'ils me donnent une seule bonne raison de ne pas pouvoir nous rendre un service. Juste pour aujourd'hui, en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a simplement peur de perdre, d'être nul, de se ridiculiser, qu'on lui fasse mordre la poussière, que la conversation ne va jamais se finir à ce rythme. Il faut que j'intervienne avant que Thomas ne s'énerve et ne les colle tous les deux. Bon, je vois pas du tout Millie. Je vois pas du tout Millie se proposer en tant que remplaçante. Du coup, on va toujours trouver l'excuse nulle. Hein. Thomas ne peut pas aujourd'hui parce qu'il, en tout début d'après-midi, il doit. Il est censé passer chez moi déposer notre chat. Je suis censée le garder aujourd'hui parce que Thomas a un rendez-vous médical, je crois. Et Java ne peut pas être laissé sans surveillance toute une journée. Il risquerait de tout casser. Votre chat? Ah oui, ça me dit quelque chose cette histoire. Un chaton dont vous occupiez l'année dernière et qui avait élu domicile au lycée, c'est ça? Oui, enfin, c'est plus vraiment un chaton depuis le temps. Ok, bon, on va dire que ça ira pour cette fois. Jadan, j'ai cru voir Madame Vasseur sortir de son bureau. Merci d'avoir trouvé une excuse pour moi, mais non merci. Je me serais fait une joie de les envoyer en colle pour insubordination. Par contre, si jamais tu voulais que je dépose vraiment Java, il faudrait que je sois sûre que tu aies de quoi l'accueillir chez toi. Parce qu'il a vraiment constamment besoin d'attention et ça me libérerait un après-midi. Il faudrait que tu aies la bonne marque de pâté, de croquettes et de litière. Que tu saches comment organiser ces... Si j'accueille Java cet après-midi, je peux dire adieu à mon diète avec Juliette. Tu as raison, je suis pas du tout prête à l'accueillir. Tu n'as qu'à me faire une liste de tout ce dont j'ai besoin. Et on fait ça une autre fois. Très bien, c'est noté. Je te fais ça au plus vite. Maintenant, va en cours. J'ai raison, les garçons de ma classe qui attendaient devant la salle de cours. Surprise pour nom de famille, parce que je m'en souviens toujours pas. Grâce aux 13 années prélevées sur la cuillère, ils ont pu déterminer 12 ans après l'effet que c'était bien le
prof d'histoire géo, le tueur en série. C'est tellement un truc de prof d'histoire géo d'être un tueur en série. Moi, j'aurais parié sur le mari de la première victime. C'est toujours les maris dans ce genre d'histoire. De quoi est-ce que vous parlez? D'une vidéo sur une affaire criminelle que j'ai regardée ce matin. Je tombe bien bonnet. Je me souviens même pas. Vraiment. J'ai dû, genre, j'avais tellement pas d'idée que j'ai dû taper genre nom de famille français sur, sur internet. Bon. C'est vraiment nul comme surnom du coup, bonnet. Je voulais justement te voir pour savoir si ça te disait d'être la suppléante d'Evan. Il me harcèle depuis plusieurs jours, mais personne à part Rachel n'a envie d'être délégué. Et Nabil, parce qu'il fait tout ce que Rachel lui demande. Hey, Nabil, t'entends? J'ai demandé à absolument tout le monde, même Sarah et Flora, alors qu'elles me font peur, et personne ne veut se présenter. C'est bon, Evan m'a déjà demandé et j'ai déjà accepté. Et Sarah et Flora te font peur? Pourquoi? Il est persuadé qu'elles ont toutes les deux une âme de tueuse en série. Je ne pense pas que de regarder des documentaires. Je ne pense pas que regarder des documentaires de true crime avant de dormir soit une bonne idée, Clément. Ça te monte visiblement à la tête. Mais non, ne les écoute pas, Millie. Josh et Nabil racontent n'importe quoi. Salut les gars. Alors ça fait quoi de ne pas avoir eu de devoir à faire pour la première fois de l'année? Ah! Protège-moi, Josh. Les devoirs? Si tu veux que je te fasse tous tes devoirs jusqu'à la fin d'année, pas de problème. Mais promets-moi de pas me tuer. Oui, enfin, même sans devoir, j'espère que vous êtes avancé pour la semaine prochaine. On a genre 3 devoirs de maison à rendre. Je suis encerclée. Les gars, sauvez-moi, les gars. Je l'entends autant de fois, mais j'ai toujours autant peur. La sonnerie annonçant le début des cours est retentie. C'était quoi ça? La sonnerie, sauvée par le gong. Bonjour tout le monde, je vais être rapide puisque je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'élection des délégués. En tant que votre professeur principal, je suis censée m'occuper de l'organisation de celle-ci. Cependant, j'ai un autre cours avec des terminales qui ne peuvent pas se permettre de rater 2 précieuses heures de cours de littérature. En temps normal, ça aurait pu nous prendre 5 minutes, mais monsieur le proviseur insistait sur l'importance de l'élection des délégués, d'où les 2 heures banalisées. Celui-ci a très gentiment accepté de prendre en charge de cette élection des délégués 2.0, ce qui m'arrange grandement. Je compte sur vous pour garder le silence en attendant l'arrivée de Monsieur Verdier et pour bien vous comporter en sa présence. Je collerai toute la classe si le principal a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous. De toute façon, il n'y a qu'Evan et Rachel qui se présentent aux élections. On ne peut pas les élire en vitesse et avoir des cours à la place. Ou au moins aller en permanence et s'avancer sur nos devoirs. Tu es sûr que tu as bien 16 ans et pas 56? Hey, me concentrer sur mes études quand je suis au lycée me permet d'y accorder un minimum de temps quand je rentre chez moi. C'est pas bête ça. Depuis que je passe toutes mes heures de creux en salle de permanence à m'avancer, je ne travaille plus que 2h30 chaque soir en rentrant du lycée. Tout ça me laisse tellement de temps libre pour m'avancer sur le programme de l'année prochaine. Au secours. Et sur ces derniers mots, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure aux fidèles du club de lecture. Alors comme ça, on va rencontrer le nouveau proviseur. J'ai hâte. Il est super investi dans la vie du lycée, contrairement à Monsieur Martin l'année dernière. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Monsieur Verdier. Par contre, c'est la première fois que j'entends son nom. Tu abuses un peu, Rachel. Monsieur Martin était quand même un minimum investi quand il s'agissait de bourrer la vie des ennemis de sa fille. J'en peux plus. Ouais, bof, c'est très probablement le père de Mélanie, mais un peu plus gentil le type, et encore. S'investir dans la vie du lycée, ça ne veut pas dire être une bonne personne. Bonjour tout le monde. Pour celui que je n'ai pas encore rencontré, je suis Tristan Verdier, votre nouveau proviseur. Ça veut dire quoi ce le? Celle et ceux en gros. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous a connu mon prédécesseur, Gilbert Martin. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas le plus affable des hommes, j'en suis désolée. Mais je peux vous assurer que je serai à votre écoute dès que vous en ressentirez le besoin. Ça veut dire quoi, affable? Aimable ou courtois? En gros, il est en train de dire que Monsieur Martin était une ordure. C'est qui Monsieur Martin déjà? Laisse tomber, Vanny, c'est pas important. Les deux là, elles me butent, genre vraiment. Elles sont incroyables. Mon rôle est de faire en sorte que vous vous épanouissiez un maximum et disposez des meilleures conditions d'apprentissage possibles.
C'est vrai que je n'ai pas été très présent auprès de vous depuis mon arrivée et je m'en excuse. Il y a tellement de choses à changer dans ce lycée que je ne sais plus où donner la tête. J'ai déjà enclenché plusieurs gros chantiers, mais ce n'est que le début. Je retire tout ce que j'ai dit. Et je m'excuse de l'avoir sous-estimé. Il est génial, ce type. Ce qui nous amène au sujet du jour, l'élection des délégués. Je sais que la coutume dans ce lycée est d'y accorder une dizaine de minutes, et ce, dans le meilleur des cas, mais je vois les choses autrement. Les délégués de cette classe, les délégués de classe sont l'intermédiaire direct entre vous, élèves, et nous, adultes de l'établissement. Ils doivent pouvoir représenter à la fois l'ensemble de la classe et chaque élève individuellement, peu importe les affinités et les déboires relationnels. Idéalement, les élus doivent savoir prendre la parole dans les situations d'injustice et se montrer à l'aise pour communiquer avec les adultes comme avec leurs camarades. Beaucoup d'élèves s'imaginent à tort que le rôle des délégués se limite au conseil de classe, c'est une idée reçue. En tant que proviseur, j'ai l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les CPE des établissements dans lesquels je me retrouve, mais également avec les élus de chaque classe. Votre CPE et moi nous entraînerons une fois par mois avec les délégués de chaque classe ou leurs suppléantes, afin de connaître les besoins et problématiques propres à chaque élève. Dans le cadre du parcours citoyen, faire en sorte que vous soyez investi au maximum dans l'élection de vos représentantes fait partie intégrante de notre travail. D'autant plus que d'ici la fin de la journée scolaire, certains N d'entre vous seront en âge de voter. Est-ce que j'ai dit la fin de l'année scolaire ou la... Je crois que j'ai dit ça. Je suis pas sûre de ce que j'ai dit. Prendre cette élection au sérieux, c'est nous assurer que vous êtes en mesure de faire un choix posé et mûrement réfléchi. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pour idée de se présenter à l'élection? Moi, monsieur! Moi aussi avec Nabil comme suppléant. Et moi avec Midi comme suppléante. Et Yass et moi, nous nous présentons aussi. Ah bon? Affirmatif. En vrai, samedi, moi aussi, je me présente également. Pourquoi tout le monde lève la main? Je crois que le proviseur a charmé la quasi-totalité de la classe. C'est tous les gens qui se présentent aux élections. Au moins, ça rajoute un peu de piment. C'est plus drôle avec un peu de compétition. Tout ça parce que le proviseur est plus gentil que celui de l'année dernière ou parce que son discours était intéressant? Plus gentil? Tu veux dire 20 000 fois plus canon et gentil et attentif aux besoins des élèves? Plus gentil? Tu veux dire 20 000 fois plus canon et gentil et attentif aux besoins de ses élèves et... Bref, vous m'avez compris. Sois pas jalouse, Milly. Il ne t'arrive pas à la cheville. Tu restes la numéro 1 dans mon cœur. Je suis heureux de voir une classe ainsi investie dans une élection. Je vous donne 15 minutes pour préparer vos discours et arguments. Je passerai dans les rangs discuter avec ceux d'entre vous qui ne se présentent pas afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui. En attendant, si vous ne vous présentez pas, vous pouvez discuter dans le calme avec vos camarades. Je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit. Moi, il m'a l'air trop beau pour être vrai, ce type. Il veut faire une bonne première impression, mais une fois l'élection terminée, on va sûrement le voir aussi souvent qu'avant. Probablement. Le proviseur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée. Et il fait presque l'unanimité. Je suis agréablement surprise. Bon, je suis pas très douée pour les discours, mais mettons-nous au travail quand même. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà lu des travaux que tu as rendus et tu es très douée pour les discours. Un peu trop même. Pour m'exprimer à l'écrit, aucun problème, je te fais un discours assez bien organisé et plein d'images et de tournures prétentieuses que les profs adorent. Par contre, une fois passé à l'oral, devant toute la classe, même lire ma feuille entièrement rédigée devient compliqué. Tu te souviens quand t'es arrivé en début d'année dernière où je t'ai accueilli au lycée? Je t'avais même dit que je n'étais pas douée pour les faire visiter. Oui, tu m'avais l'air d'avoir confiance en toi, par contre. Je m'étais entraînée pendant 2 semaines avant ton arrivée et je m'y serais pris plus tôt si j'avais été prévenue avant. J'avais même appris mon texte par cœur et répété avec Rachel en situation. Pourtant, je t'ai même pas montré un quart des choses que j'étais censée te montrer, et pareil pour ce que j'avais à te dire. C'était la pire première visite possible, mais c'était ma plus réussie. J'arrivais un peu à avoir l'air de savoir ce que j'ai fait, mais je panique très vite. Je savais pas tout ça. T'en fais pas, je suis sûre que tu peux y arriver. On va préparer le discours ensemble, et si jamais tu n'y arrives pas, je prendrai le relais. Merci beaucoup. Et si jamais tu sens la panique monter, essaye d'imaginer tout le monde en sous-vêtements. Selon la légende, c'est censé marcher.
Moi, je vous ai pas entendu pour imaginer le professeur en sous-vêtements, en tout cas. Clément, arrête de nous exposer... Clément, arrête de nous espionner et retourne travailler sur ton discours, sale traître. J'essaye juste de m'inspirer des discours un peu de tout le monde. Je sais pas par quoi ou par où commencer. Tant pis pour toi, que le meilleur gagne. Et le meilleur, ce sera moi. On verra ça. Si je suis élu et que toi non, t'es obligé de me ramener des pains au chocolat tous les matins pendant une semaine, deal. Enfin, toi ou Millie, bien entendu, je vous laisse vous organiser entre vous. Et si je suis élu et que toi non, tu dois me ramener des croissants tous les matins pendant une semaine, ça te va? Ça marche. Un peu de challenge et de compétition pour une élection qu'on pensait gagner d'avance, ça ne peut pas nous faire de mal. Exactement, ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à ne pas être des candidats médiocres. Evan et moi avons fini de rédiger notre discours. Enfin, c'est plutôt Evan qui a tout rédigé et moi je n'ai fait que valider ses brillantes d'idées. Tous les binômes sont passés les uns après les autres, ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé. Et Evan et moi sommes passés en dernier. Comme il me l'avait dit, Evan a un peu été pris de panique et j'ai dû prononcer la quasi-totalité du discours qu'il avait préparé par moi-même. L'élection est en elle-même passée vite, puis le dépouillement et l'annonce finale des élèves élus. Les délégués de la classe de première 2 sont donc Rachel et son suppléant Nabil. Super! Et en deuxième élu, nous retrouvons Millie et son suppléant Evan. Evan n'est pas mon suppléant, c'est moi qui suis. Félicitations Rachel et Millie. En revérifiant la liste des candidats, j'ai vu que quelqu'un avait changé le nom d'Evan avec le mien. J'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan. À la fin de la matinée, je suis allée le voir pour obtenir des explications. Je pensais simplement être élue suppléante et non déléguée. Je ne vais pas lui dire que j'ai vu que de noms ont été changés pour ne pas le brusquer, comme je sais qu'il a du mal avec les confrontations. Dommage, j'aurais bien aimé gagner. Ça veut dire que je ne passerai pas de temps en étroite collaboration avec le proviseur pour ses réunions mensuelles. Dis, est-ce que tu sais si les proviseurs assistent au conseil de discipline? J'ai peut-être une idée pour... Peu importe ce que tu as derrière la tête, ça n'en vaut pas la peine. Je rigolais, bien entendu. Je suis quand même dégoûtée de devoir ramener des croissants tous les matins pendant une semaine à Evan. Au fait, Evan, je voulais savoir pourquoi tu m'as pas laissé corriger les principales. Tu devrais plutôt le remercier de t'avoir assuré des rendez-vous tous les mois avec le principal. En vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai réalisé que j'étais pas fait pour être un leader. J'ai jamais vraiment été à ma place en tant que délégué. Au collège, j'étais à moitié pour faire plaisir à Rachel et à moitié pour... parce que j'étais premier de la classe et que tous les profs comptaient sur moi et que je me présentais. Mais quand j'y repense, je suis pas vraiment candidat idéal, je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral, parler aux adultes, aux autres élèves. Et puis c'est beaucoup de responsabilités et je suis certain que tu feras un meilleur job que moi. Tu as une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde. Alors désolé d'avoir échangé sur la feuille, mais je pense que c'est mieux pour nous deux. Il n'a pas tort. Tu ne laisses jamais rien passer. Tu aurais ta place chez Mystère et compagnie, franchement. La classe a vraiment besoin d'une déléguée qui, comme toi, s'occupe de régler les problèmes de tout le monde sans jamais chercher à raconter leurs secrets. Cette discussion m'a fait me rendre compte de pourquoi je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais expliqué à l'idée de passer du temps avec Juliette cet après-midi. J'ai beau tenter de m'auto-persuader du contraire, cette histoire entre Edouard et Elias m'empêche un peu de me concentrer sur moi-même. Allez, il reste un mystère à résoudre pour Millie Bonnet avant son rendez-vous avec Juliette. Après ça, je serai enfin tranquille. Il faut que je retrouve Edouard et Mélanie afin de savoir où ils en sont dans leur enquête. Ah, ça tombe bien, ils sont tous les deux seuls. Je te jure, j'ai vu l'astuce sur TikTok et ça marche grave. Tiens, elle veut quoi, truc machin? Ma photo, peut-être? Je voulais juste savoir... Vous avez des nouvelles de cette histoire avec Elias? Aux dernières nouvelles, on avait découvert que le numéro du garçon avec qui Edouard était en contact lui appartenait. Je vais juste m'assurer que vous aviez bien parlé à Elias et de tout ça afin de tirer les choses au clair. Ça te regarde peut-être? En vrai, un peu, c'est quand même grâce à elle qu'on est au courant de ça. Ouais. Bon, vas-y, je te laisse le raconter comme j'y suis pour rien. Alors, accroche-toi bien, on a découvert rien du tout. Comment ça, rien?
J'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question ou en le confrontant. Alors, on n'a encore rien fait. Faut me comprendre aussi, le mec a déjà une copine. Et en vrai, en y repensant, je suis quasi certain que c'est lui le type avec qui je parlais. Il m'avait dit que sa prof était, il m'avait dit que sa mère était prof de sport. Et Madame Dalim, la prof de PS, et sa mère. C'est trop gênant d'aller les confronter. Je me suis tournée vers Mélanie afin de voir sa réaction. Ah, me regarde pas comme ça. S'il ne veut pas lui en parler, je ne vais pas faire ça dans son dos. Surtout que je serai cramée. Tout le monde sait que je suis sa meilleure amie. Donc, ce qui vous embête, ce n'est pas le fait d'obtenir des réponses, mais de le confronter à vous-même. Au lieu de simplement me demander mon aide, il faudrait me tuer avant que je te demande quoi que ce soit. Attends, Mel, écoute, là, elle a peut-être une idée en tête. Qu'est-ce que tu proposes, Miri? Alors, j'ai déjà fait ça deux fois. Est-ce qu'on ne testerait pas ça? On va tenter. Ça sert à enquêter. Pourquoi ne pas demander à Sarah d'enquêter pour nous, puisque cette histoire la concerne également? Bah non, du coup, il faudra pas qu'elle sache. Du coup, on peut dire ça. Sarah Bruand? Tu veux que tout le lycée soit au courant de cette histoire ou quoi? Malheureusement, je rejoins Mel. Sarah est une fille qui adore se balader de groupe d'amis en groupe d'amis. Elle garde probablement l'amitié en racontant les secrets de tout le monde à tout le monde. Je pense que vous vous trompez sur son compte. Certes, Sarah est un peu particulière, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Non. Edouard, t'as pas une autre idée avant que truc machin suggère de la Clara et Emily? Bah justement, je pensais peut-être à appeler le numéro en inconnu et voir qui on aurait au bout du fil, mais je sais pas trop. Si on se faisait passer pour quelqu'un en cherchant à parler à l'idée d'Alim et qu'il dit que c'est pas lui, ça nous aide pas plus que ça. À moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne au bout du fil. Si ça se trouve, c'est Madame Dalim avec qui tu parlais. Le numéro est attribué à son nom, non? L'angoisse. Et si on appelait le numéro pas loin d'Iliès pour voir s'il décroche? Même s'il a un autre numéro, peut-être qu'il a deux cartes SIM dans son téléphone. Vas-y, appelle-le maintenant, je le vois devant la grille. Il a l'air de se diriger vers le gymnase. Attends, allons nous cacher derrière un groupe de gens, histoire de pas être repéré. Mélanie, je préfère que ce soit toi qui l'appelle. Il vient d'entendre ma voix toute la matinée pendant notre élection de délégués. Il me reconnaîtrait. Bon. Puisqu'il faut tout faire par soi-même ici, redonne son numéro et dis chou. Oublie pas le dièse 31 dièse avant le numéro pour être certaine que de ne pas te faire reconnaître. C'est bon, je suis pas née de la dernière pluie non plus. Mélanie a appelé le numéro et en inconnu deux fois de suite. La première fois, ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur le répondeur. La seconde fois, la personne a raccroché au bout de deux secondes de tentative d'appel. Pourtant, Elias n'a pas sorti de téléphone de sa poche. Bon, ça ne nous aide pas plus que ça. Si l'appel n'a pas abouti la seconde fois alors qu'on a pu laisser un message la première fois, ça veut dire que la personne a raccroché, non? Donc ça ne peut pas être Elias. Honnêtement, je sais pas, j'ai discuté exclusivement par message vocaux sur Snap ou des mains Insta. Malheureusement, truc machin a raison. Je crois qu'on va pouvoir écarter Ilyes et se mettre à espionner Madame Dalim. Non, je crois savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi ne pas simplement lui demander à Ilyes si le numéro lui appartient? Non, mais t'as le cerveau mouillé ou quoi? On t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'est pour Edouard. Elle est cervelée, la mini, ma parole. Mais non, idiote. Je ne suis même pas sûre qu'Ilyes sache que Edouard est mon demi-frère. Si je vais le voir en tant que délégué en lui demandant son numéro pour pouvoir contacter les élèves de la classe, je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre. Et si jamais il me donne un autre numéro, je vais lui dire « Ah tiens, c'est bizarre, c'est pas le numéro qu'on m'a donné pour toi. » T'as demandé à qui en même temps? La dernière fois que j'ai envoyé un SMS, je devais avoir 12 ans. D'ailleurs, ça aurait été plus facile de créer un groupe Snap de la classe comme un être humain normal. On t'avait donné quoi comme numéro? Je lui ai montré mon téléphone avec le numéro inscrit au nom de Ilyes afin de lui faire croire à mon petit mensonge. Ah, j'ai compris. J'ai changé de forfait en milieu d'année dernière et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro. Heureusement que tu as vérifié, sinon tu serais tombé sur mon grand frère. Ton frère? Je savais pas que t'avais un frère. Attends, je sais pas pourquoi j'agis comme si j'étais surprise. C'est pas comme si je te connaissais plus que ça. Grave, t'es bizarre un peu, non? Genre, avant cette année, je te confondais tout le temps avec Andrea de la seconde 7. Je connais ton prénom depuis deux semaines. C'est qui Andrea de la seconde 7? Exactement.
Attends, ton grand frère, il a quel âge au juste? Dis-moi tout sauf 30 ans, s'il te plaît. Quand tu me parles de lui, t'es grave bizarre, toi. Il a juste 2 ans de plus que nous. Bref, je sais pas pourquoi tu me demandes tout ça, mais la récré est bientôt finie et j'ai des choses à faire. T'as qu'à poser tes questions à Mélanie. T'es arrivé en même temps qu'elle avant qu'elle se cache derrière un rangement derrière la porte d'entrée du gymnase, non? Bref, je cherche plus à vous comprendre. Elle connaît mon frère, il me semble. Si t'as d'autres questions cheloues, n'hésite pas à les garder pour toi. Alors? On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas plutôt parler à l'extérieur. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas, je pense enfin avoir le fin de mot de l'histoire. Si c'est vraiment le numéro de Madame Danim et que tu as l'air étrangement apaisée et sereine, j'ai peur. Ce n'était pas Eliès que tu parlais. Ah, je suis rassurée. C'était pas du tout de son genre, Edouard. Mais j'osais pas le dire. Ah, et puis, il était déjà en couple, accessoirement. C'est le grand frère d'Iliès qui a récupéré l'ancien numéro d'Iliès. C'est pour ça qu'il était à son nom dans son dossier scolaire, j'imagine. Et apparemment, tu connais son frère Mélanie. En même temps, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Oh, mais oui, qu'est-ce que je suis bête! J'avais carrément oublié l'existence de ce type. Son grand frère s'appelle Yanis. Et il était en terminale l'année dernière. Et au collège avec moi. Ça me dit rien du tout. Il est comment son frère? Ça m'explique toujours pas le fait de me ghoster après lui avoir dit que j'allais au lycée ici. Alors, je suis un peu rassurée parce que son frère est canon et bien plus son genre que cet hétéro sur pattes d'Iliès. Il me semble qu'il est en première année de BTS commerce international au lycée. Donc, même s'il est en post-bac, il est toujours au lycée, ce qui expliquerait le fait de ne plus te donner de nouvelles. Peut-être que son entourage n'est pas au courant du fait qu'il est intéressé à part les hommes et qu'il ne veut pas que ça sache. Malheureusement, Yannis est out depuis plusieurs années déjà. Il n'a pas fait ça pour cacher son intérêt pour les hommes. Je pense savoir quel est le problème. Enfin, pas le problème, mais la raison pour son silence. Dis-moi, Edichou, tu lui avais parlé au mec avec qui tu discutais sur Insta de ton date idéal? De quoi regarder l'intégrale de How to Get Away with Murder et baver devant Connor toute la nuit en mangeant des céréales? Tu crois que ça l'a fait fuir? Mais non, je parle du fait de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, en dégustant des glaces à l'état d'aine le soir d'été. Ah, bien entendu, je le répétais constamment. Tu crois qu'il est intolérant au lactose? Ou pire, qu'il n'aime pas les glaces à l'italienne? Si c'est le cas, il ne t'aimerait pas. Poubelle! La subtilité, c'est dans vos gènes ou quoi? Je n'aimerais pas rencontrer votre géniteur. Suivez-moi, on a peut-être eu le temps d'aller le voir avant que ça sonne. Le voir? Comme ça, de nulle part, sans prévenir, sans crier gare, soudainement, sans préparation? Allez, ne fais pas l'enfant, fais-moi confiance. Burke, pourquoi tu nous emmènes au CDI? Ça sent 10 fois plus la transpic dans le gymnase ici. Bingo! Si c'est passé ce que je pense qu'il s'est passé, tout n'est pas perdu. Prépare-toi peut-être à rencontrer ton bras ferme. Tu me fais peur, Mel. Je sais, j'adore ça. Yanis? Yanis Dalim? Oui? Yanis s'est approché d'un garçon aux cheveux violets. En y repensant, je l'ai vu plusieurs fois au CDI sans lui prêter plus attention que ça. Edouard et moi les avons rejoints. Le garçon a eu l'air de tout comprendre, de tout de suite comprendre ce qui se passait. Ah, salut Mélanie, ça fait longtemps. Je vois que tu es venue avec. J'imagine que je suis grillée. Je sais qu'on n'est plus trop potes, mais j'ai des super souvenirs de toi au collège. J'étais genre le seul garçon que je tolérais. Pourtant, j'ai sorti avec plusieurs mecs au collège, je n'en tolérais aucun. Exact. Bref, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au collège et j'imagine que ça a un lien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami? Exact. Bien, mais je crois que c'est méchant des choses à se dire. Ok. Si tu t'étais souvenu de l'existence du frère d'Iliès, surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs, tout cela aurait pu se régler bien plus vite. Oh, c'est bon, qui t'a donné la permission d'exister même? Dans ma tête, c'était Yanis du collège, pas Yanis, le fils de la prof de sport. Mon cerveau n'a pas fait le lien cette fois-ci. Ça peut arriver à tout le monde, non? L'erreur est humaine. Vu l'enfant qu'elle a mis au monde, ta mère doit souvent se répéter aussi. Tu sais, je vais sûrement regretter ce que je vais dire, mais tu n'es pas aussi horrible que tu le laisses penser. C'est même parfois agréable de passer du temps avec toi, quand tu décides pas de manière aléatoire de détester la personne qui vient d'intégrer le lycée. J'aime juste que les nouveaux arrivants soient au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent.
Je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière. Mais ça peut te rassurer, c'est pas personnel. Je suis pas fan de la compétition. La compétition? Entre meufs belles, on se comprend, non? Tu n'es pas intimidée par les autres qu'un nom de toi? Entre meufs belles, on se comprend, non? Tu n'es pas intimidée par les autres qu'un nom de toi? Mais bon. Quand j'ai remarqué que t'étais minuscule et qu'il te manquait une vingtaine de centimètres pour être mannequin, j'ai décidé d'être aimable avec toi. Aimable? On n'a pas la même définition du terme aimable, moi, toi et moi. Ah, vous êtes là, les filles. Alors, raconte-nous tout. T'avais raison, Mel. C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marche. C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, un soir d'été, qui l'a un peu fait paniquer. Il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil, que ce soit à cause des questions intrusives ou de réactions négatives. Que beaucoup trop souvent, les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie, mais qu'il n'a pas non plus envie qu'on le surestime et fasse abstraction de son statut. Et que du coup, il a trouvé plus facile d'abandonner l'idée de trouver quelqu'un jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur Insta par hasard. Comme ce n'était que des discussions virtuelles, il a pu, je cite, pour la première fois, parler librement et ouvertement d'un être humain à un autre sans se mettre des barrières. Quand il a appris qu'on fréquentait le même lycée et qu'il a compris qui j'étais, il a pris peur. C'est vrai que Mel et moi, on est bien connus pour juger tout le monde et n'importe qui, alors je comprends sa réaction. Bon. Mais bon, bref, le reste est un peu trop personnel. Je pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée que je vous en parle. Et donc, verdict? On a rendez-vous après les cours pour manger un morceau et poursuivre notre discussion. Et tu avais raison, c'est vrai qu'il est grave le canon qu'il y est. Tant mieux si c'était pas Madame Damine qui se cachait derrière tout ça. Pourquoi tu es revenue au fait? Pourquoi ne pas avoir continué à discuter avec lui? Et je vous jure, à chaque fois, j'ai trop peur. La sonnerie annonçant la fin de la récré retentit. Pour ça, ça allait sonner et il avait peur d'être en retard en cours. Je sais pas lire. Les cours de la matinée sont terminés puis le rendez-vous du club de lecture a eu lieu. Son erreur est passée extrêmement vite. Je n'ai fait que penser à mon presque rendez-vous avec Juliette. Mais même si la notion des dynamiques de pouvoir est omniprésente dans ce livre, je pense qu'elle est intrinsèque à tout récit. Ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est la manière dont ces dynamiques de pouvoir s'affrontent au travers de dichotomies pratiquement antonymiques. Je n'arriverai jamais à dire cette phrase, je pense. J'ai compris la moitié de ce que tu as dit, mais ça répond pas à ma question. Ah oui, ta question, c'était quoi déjà? Est-ce que tu as un tampon? J'ai demandé à tout le monde et tout le monde est passé soit à la cup, soit aux culottes menstruelles. Ah ouais, c'est vrai, j'ai une serviette, mais pas de tampon, ça ira. Oh, c'est grave vintage ça. Vas-y, je veux bien, merci. Donc oui, tu voulais me parler de quelque chose, Nejma? Oui, pardon, j'attendais que Sarah s'en aille. C'est un sujet assez délicat et je sais pas si je devrais t'en parler ou en parler à qui que ce soit, ça peut avoir des implications hyper graves. Est-ce que tout va bien? Tu peux m'en parler et me faire confiance, tu sais. Oui, ne t'en fais pas, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de quelqu'un d'autre, et personne d'autre ne sait ce que je sais à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressé et je sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok? Surtout, ne t'en fais pas, c'est pas urgent, enfin, si, quand même, mais on peut pas faire grand-chose à notre échelle. Et surtout, je suis pas certaine de pouvoir en parler maintenant. Bref, je vais te laisser filer à ton rendez-vous. Mon rendez-vous? Comment tu sais que... Rachel et toi, on avait fait que en parler de ça pendant le club de lecture, j'espère que ça se passera bien pour toi. Merci et surtout n'hésite pas, si jamais tu veux me parler, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux s'il le faut. C'est le genre de choses dont on peut parler qu'en face à face, malheureusement. Comme t'es délégué du CVL et l'une des seules bonnes personnes de ce lycée, j'ai tout de suite pensé à toi. Je sais pas quoi faire moi. Bon, vous allez camper ici encore longtemps. Mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez, et ce, tous les mercredis. Vous n'allez pas me dire que vous ne le savez pas et que vous n'en faites pas exprès. À la prochaine, Nejma. À la bientôt, Millie. Comme je m'en doutais, mon repos a été de courte durée.
J'ai à peine eu le temps de réaliser que l'histoire d'Edouard était réglée et que me voici déjà à m'inquiéter de nouveau. Quelle idée de membre du conseil de VDCN? Mais si Najma est venue me voir moi, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Je suis contente de savoir que les élèves du lycée me font confiance. Enfin, ça ne sert à rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit. Pour aujourd'hui, je dois me concentrer sur... Millie? Tu vas bien? Toujours bon pour le rendez-vous au parc? Enfin, je veux dire, le déjeuner au parc? Oui, toujours bon. Par contre, il faut que j'aille m'acheter à manger si on va pique-niquer dans le parc. Ne t'en fais pas, j'avais prévu de... me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. J'avais prévu de quoi manger pour 4 au cas où Lorraine et Mélanie proposaient de se joindre à Briatis et moi. Ah non, ça va. Ouf. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur parmi tout ce que j'ai ramené. Tu avais prévu à manger pour les autres? C'est vraiment adorable de ta part. Eh bien, tu sais, Béatrice est une fille assez occupée et par conséquent, parfois tête en l'air. Je n'aurais jamais été étonnée si elle avait oublié de ramener à manger ou de quoi payer, alors j'ai préféré ne pas la priver de pique-nique. Même si au final, elle n'a pas pu en profiter. Je suis quand même super contente que tu aies proposé de manger avec moi. Quand même? Super contente? Ça veut dire que tu aurais préféré manger avec Béatrice? Ah non, du tout! Qu'est-ce qui te fait penser ça? Non, je plaisantais, oublie. Je t'assure que non, ça me fait autant plaisir de déjeuner avec toi. Enfin, pour être exacte, ça me fait plaisir. Mais différemment. Pour que tu sois sûre que j'ai préparé des choses qui te plairont, je te laisse regarder dans mon panier repas ce que j'ai ramené. Ce serait dommage que tu te forces à manger quelque chose que tu n'aimes pas juste pour me faire plaisir. Alors, tabouret de quinoa, non. Sandwich poulet moutarde, limite. Salade de riz noir à la grecque. Oh. À la limite, le sandwich. Non. J'étais en train de faire à mes goûts. Le sandwich. Parce que les sandwichs, c'est la vie. Le sandwich poulet moutarde me fait plus envie. On part sur ça alors. Ce sera salé de riz noir pour moi. Juliette et moi, ça m'arrivait au parc. Surprise par le soleil et la chaleur. Toujours au rendez-vous en cette fin de mois de septembre. J'attends tellement le soleil, ça me donne tellement d'énergie et me met tellement de bonne humeur. Tellement que j'en perds mes mots, je ne fais que dire tellement. On ne croirait presque pas que c'est déjà l'automne. Ça d'ailleurs, pendant que j'y suis, t'as une saison préférée, toi? La saison 2. La saison 1 de The Paradise Five. Alors. Moi, ma saison préférée à moi, si ça vous intéresse, c'est l'automne et l'hiver. Voilà. Enfin, plus l'hiver que l'automne. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'automne en premier. Par contre, Millie, l'automne, ça lui va très bien. Du coup, je vais mettre l'automne. Je dirais que c'est plutôt l'automne pour moi. Très bon choix, j'adore les couleurs de l'automne. La météo, par contre, un peu moins. Personnellement, je dirais qu'effectivement parlant, je me retrouve plus dans le printemps et l'automne. Même si le printemps l'apporte grâce au temps bien plus ensoleillé. Regarde-moi à parler de la pluie du beau temps. Désolée d'être une piètre compagnie. À part parler du temps et de nourriture, je n'ai pas dit grand-chose moi non plus. Est-ce qu'on est genre les personnes les plus inintéressantes au monde? De quoi est-ce qu'on pourrait discuter? Jette a sorti un plaid de pique-nique de son sac et l'a posé par terre, raide sur l'herbe. Elle s'est assise dessus et je me suis assise juste à côté d'elle. J'ai essayé de trouver un sujet de conversation original, mais j'ai posé la question la plus bateau du monde. Dis, je me posais la question, comme tu es doué en musique et en dessin, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Je veux dire, est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre, ou est-ce que tu te vois déjà dans un métier en particulier? Alors là, tu me poses une colle. Elle m'empêche souvent de dormir, cette question. Je pense que le plus logique pour moi serait de me trouver un métier en rapport avec le piano. J'utilise ça depuis toute petite, je me débrouille pas mal. Mais j'aime aussi beaucoup le dessin par contre. Je pense pas pouvoir faire une carrière dedans sans être formée et étudier l'illustration sur plusieurs années. Pourtant, être illustratrice de livres pour enfants, ça pourrait vraiment me plaire. J'avais montré certaines de mes créations à Monsieur Crisserel. Oh putain, non, pas ce nom. À Monsieur Crisserel, et il m'avait dit d'abandonner. Que le marché est trop saturé et que je suis mieux à me concentrer sur le piano. L'ordure, je suis sûre qu'il a dit ça pour essayer de te challenger. Pas pour que tu abandonnes.
Malheureusement, c'est pas comme ça que je fonctionne. S'il essaie de me faire perdre confiance en moi, je perds confiance en moi, point. Je ne vais pas essayer de lui prouver qu'il a tort. Montre-moi tes dessins. Moi, je vais te dire de manière très subjective ce que j'en pense. Très bien. Oh, c'est mignon. Gilette le tourneau. C'est mignon. J'aime bien. Alors, celui-là, c'était pour illustrer un livre que j'ai écrit pour mon cousin de 4 ans, quand il a com quand, pour qu'il commence à apprendre l'anglais. Je l'avais imprimé sur un site qui permet d'imprimer des livres photos pour pas cher. Ma tante et mon cousin adorent. Celui-là, c'était pour une petite histoire que je lui avais racontée pour qu'il s'endorme et qu'il me demandait de raconter tous les soirs quand je le voyais. Du coup, j'ai décidé de l'illustrer et de la réécrire et de la faire imprimer avec le même site. Et sinon, ça, c'est aussi moi qui ai dessiné, dessiné et designé Nugget, la mascotte du groupe de Béatrice et Josh. Enfin, notre groupe. À l'époque, je n'en faisais pas encore partie. Comme il est dessiné dans un style assez enfantin et amusant, je l'avais aussi montré à Monsieur Cresserel. Je savais pas du tout ça, ce petit poussin entre mes rêves parfois, pour je ne sais quelle raison. Super travail en tout cas. En tout cas, Monsieur Cresserel est un imbécile. Tu pourrais faire carrière là-dedans, alors j'imagine pas le niveau que tu atteindras si tu tournais vers le, si tu te tournais vers des études d'illustration. Et en plus de dessiner et de jouer de la musique, tu as déjà écrit toi-même des livres pour enfants? Je t'en supplie, n'écoute pas Monsieur Cresserel ou qui que ce soit d'autre. Ou même les voix dans ta tête et fonce, si c'est ce que tu veux, si c'est ça que tu veux faire. Merci, t'es un amour. Malheureusement, je ne sais pas vraiment quoi faire, j'hésite entre tous, c'est difficile de faire un choix. Tu as jusqu'à quand pour réfléchir? L'année dernière? Non, honnêtement, jusqu'au fin janvier. Le jour de l'ouverture de Parcoursup, je peux même pousser jusqu'au 28 mars, la veille de la date limite pour formuler ses vœux. Donc ça va, tu as encore un peu de temps. Et puis au moins tu sais déjà que tu veux faire quelque chose d'artistique. Tu as du talent et des choses à montrer ou à faire écouter. Tu sais même entre lesquels choix tu hésites. Regarde-moi par exemple, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Je suis sûre que toi, l'année dernière, quand tu étais au même stade que moi, Je suis sûre que toi, l'année dernière, quand tu étais au même stade que moi, dans ton parcours scolaire, tu avais déjà au moins une idée. Donc tu as vraiment encore le temps de faire un choix. Et même si c'est le mauvais, il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de m'avoir fait m'en rendre compte. Je commençais un peu à paniquer. Oh, elle est trop... Oh, mon cœur est fond. Elle est beaucoup trop belle. Déjà, elle est beaucoup trop belle. Et en plus, elle est beaucoup trop mignonne. Et... Ah. Elle est beaucoup trop mignonne. Je suis vraiment contente de passer du temps avec toi en dehors des cours. J'apprécie la compagnie de très peu de gens autant que j'apprécie la tienne. Juliette et moi avons fini pique-niquer et de discuter d'un peu tout et rien. Le lycée, nos cours de la journée, Nuggets on the Run. On a ensuite décidé de faire une petite balade digestive autour du parc. La police. Attendez, j'aime bien. Oh, Blackpink! J'ai bien fait de regarder! Attendez. Mélanie, Béatrice, Edouard, Clara, Burke, ils sont barrés. Sanofi. Fuck la police. Oh non, c'était trop bien de voir. Bon, Blackpink, ça c'est. Oh! Stan Nuna? C'est ce que je lis? Stanuna, c'est vrai. Ah, oh, j'adore. Le pire, c'est pas la première fois qu'on voit ce décor. Oh, je crois gay. C'est pas la première fois qu'on voit ce décor, j'aime bien. Ça m'a fait rire, par contre. Manny, Patrice, Edouard, Baccarat, c'est caché, genre mode berk. En s'aventurant au fond du parc, je me suis aperçue qu'il y avait un skatepark que je n'avais jamais remarqué jusqu'ici. On y a vu Mélanie faire du skate au loin. Et je me suis retrouvée à poser une question assez indiscrète, un peu machinalement. Oh non, me dis pas. Quel con. Oh, et ici, il y a marqué Adjeb.
incroyable. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que Mélanie et toi arrivez à être dans le même cercle d'amis sans vous entretuer. Ça va mieux entre vous, non? Moi, tu sais, avant d'être ennemis, on était quand même meilleurs amis. Même quand on était en couple en troisième, on était seulement meilleurs amis au final. Bizarrement, c'est beaucoup plus facile que l'on peut croire le fait de se remettre à parler avec quelqu'un à qui on a vécu énormément de choses avant de se désister. Comment ça, vous étiez seulement meilleurs amis même quand vous étiez en couple? C'est difficile à expliquer, mais je crois qu'on s'était mis ensemble juste parce qu'on était toutes les deux intéressées par les filles et qu'on s'entendait bien. C'est difficile parfois de faire la différence entre les sentiments amoureux et des sentiments amicaux. Alors déjà qu'elle est lesbienne, comme moi, et qu'en plus elle dit ça, tu arrêtes de faire des choses comme moi, c'est flippant. Mais ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est la mienne aussi. On a fait un petit tour du parc qui a duré toute l'après-midi et pendant lequel on a discuté de tout, de rien, avant de faire le chemin jusqu'à chez moi en sa compagnie. Sur le chemin du retour, on s'est promis de refaire ça très bientôt. C'était sincère de mon côté et j'imagine que ça l'était du sien aussi, mais qui sait. J'aurais quand même aimé qu'il se passe un peu plus aujourd'hui. Mais en même temps, je n'aurais peut-être pas été assez claire dans mes intentions. Ça aurait peut-être été trop rapide en même temps. Je devrais préjurer de ne pas avoir été interrompue par un nouvel imprévu. J'ai quand même passé une journée assez chouette et je suis rentrée chez moi avec un gigantesque sourire sur le visage en repensant à ces dernières heures passées à ses côtés. J'espère vraiment avoir l'occasion de passer plus de temps seule à seule à l'avenir. Bonjour, ça me stresse. Coucou mon lapin. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage? Tu me caches quelque chose? Oh, j'étais sûre, tu es amoureuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je pourrais simplement être en train de sourire parce que j'ai été élue déléguée de classe aujourd'hui. Félicitations mon lapin. Mais je sens qu'il y a autre chose. Tu sais, une maman ressent ces choses-là. Bon allez, on ne la fait pas à moi. Dis-moi tout. Qui est l'heureuse élue? C'est encore trop tôt pour parler d'amour, maman. Je n'ai plus 10 ans. Ah, les enfants, ça grandit beaucoup trop vite. En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça, ça veut probablement dire que c'est la bonne. Et tu as ma bénédiction. Et comme je vais redire, si on l'avait pas, c'est pas grave. Parce que c'est Juliette. Je l'aime trop. Merci, maman, c'est gentil. Allez, j'arrête de t'embêter. Viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire. Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche. Et tu as invité toi aussi. Je ne le connais même pas, moi. Comment je peux t'aider? Et puis, je vais pas m'incruster à la dire ça à un inconnu. Mais voyons, Millie, il prend 21 ans et c'est bien plus proche de ton âge que du mien. Je suis sûre que tu peux m'aider. En plus, il me semble que c'est le fils de ta CPE. Il s'appelle Victor Vasseur. Ça te dit quelque chose? Tu veux que je m'incruste à l'anniversaire du fils de ma CPE? En tout cas, je le connais pas du tout. Allez, c'est pas grave, va t'occuper de tes devoirs, on en reparlera plus tard. Ah là là, oh là là. Alors, franchement, Juliette, c'est pas du tout la même chose qu'Evan et Clément. Enfin, genre, Evan nous a fait une déclaration à moitié, parce que il nous a dit, il nous a fait une déclaration à moitié, genre en mode, oh, trop une bonne personne. Et Clément, un peu pareil, mais pas dit pareil. Et elle, en fait, c'était une déclaration aussi, à moitié, mais maladroite. En mode, non, si je dis ça, bah, tiens, c'est bizarre, donc on va faire genre ça a deux sens, comme ça. Elle trouve pas ça bizarre. Ok, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je trouve ça mignon. Genre, déjà, en plus, Juliette, quoi. Juliette. Du coup, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour Lorraine. Je m'en vais la filmer de ce pas. J'en peux plus. Bye bye.